Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le moment est venu de vous dire au revoir. Il fallait que ça arrive. Hein. Vous avez vu mon ventre grossir, grossir, grossir ces derniers mois. Et là, ça va être le moment où je vais accoucher. Je vais devoir accoucher et puis je vais prendre une petite pause pour m'occuper de mon bébé, de ma fille qui va naître dans les semaines qui viennent. Je ne vais pas revenir avant, disons, fin octobre. Hein. Mais d'ici là, ne vous inquiétez pas, il va y avoir une continuité. Mon équipe du Parlement européen va être là pour continuer de suivre mes dossiers parlementaires, pour de temps en temps vous informer sur l'avancée des dossiers. Vous pouvez compter sur eux de la même manière que moi, je peux compter sur eux au quotidien. Entre parenthèses, on attend toujours que le Parlement européen se décide à mettre en place les conditions d'un réel congé maternité pour les femmes, c'est-à-dire tout simplement le droit de avoir une procuration pour les votes pendant qu'on est absent, ou de pouvoir voter à distance, ou de pouvoir se remplacer. Bref, de faire en sorte que les électeurs et les électrices qui ont voté pour moi, pour ma liste, pour notre liste, soient représentés ici au Parlement européen pendant que je m'occuperai des biberons et de changer les couches après la naissance de mon bébé. Je vous dis donc à très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de profiter à fond des vacances si vous avez la possibilité d'en prendre. Et je vous souhaite un très, très bel été à vous ainsi qu'à vos proches.